imprévu qui nous préfère appel à la presse ou bien explique nos positions. Comment je connais, campagne pour sa élection partielle là, puis prend fin vendredi avec un meeting public. Et nous, dans nos cas, nous avons un meeting de la Louise. Tout le monde connaît depuis un bon l'époque. Alors, je dénonce comportement MSM. Parce qu'après qu'ils étaient sauvés dans sa élection partielle là, là, je peux faire exprès pour zen nous à la fin de sa campagne pour l'élection partielle là, et par notre comportement aussi. D'un côté, ils ont fait tout pour zen nous dans la fin de la campagne, après qu'ils ont été sauvés, mais en même temps, ils ont gâté complètement le mood dans lequel sa session parlementaire a pété à miner. Comme vous connaissez, session parlementaire, elle était à miner quand même, la veille, la Noël, il y a un bon souhait, il y a un bilan, etc. Ah ben, pas la faute, vous une gâte complètement manière qui la session parlementaire pour terminer vendredi. Et nous tenir à dénoncer ça, c'est pour ça le but de sa conférence de presse. Jeudi, il appelle le Parlement, je dis, pas pour une PNQ. PMSD, Tinfer, nous connaît qui. Pas une réunion, tout ça là, de l'opposition, mais une coordination. PMSD, Tinfer, nous connaît qui, pas pour une PNQ, je dis. Donc, je dis, il y a seulement la motion racie de Alan Ganou. Une vieille private member's motion. Qu'on se connaît, sur Amgoulam aussi, c'est pareil. Un private member's motion, ni vini pendant 3 ans, foutu. Personne n'est plus intéressé, mais juste pour perdre les temps. Donc là, je dis, il y a seulement la motion Pena PNQ, il y a seulement la motion de Alan Gagne. Et nous ne pas aller. Nous en fin de campagne, je dis vendredi. Vendredi, alors que je connais qu'il nous en a de longues dates, nous fixer nos derniers meetings à la Louise. Je te faire exprès, je te mettre motion de Rajesh contre Taroula, je te mettre lit jeudi après-midi. Alors que je te connais qu'il y en a meeting. Et, pardon, vendredi, alors que je te connais qu'il y en a la fin de campagne, meeting vendredi. Donc, motion de Rajesh et de la loi, enfin, hein, pas tellement petit, mais de la loi. En la loi, c'est vraiment vrai, même sa gouvernement, la bande comique, pense. Je te fais dire, mon rasé, mais en même temps, c'est une vraie comique. Alors, un petit projet de loi qui est venu vendredi, c'est le National Flag Amendment Bill. Qui ça a été, encore une fois, c'est une fané. Alors, c'est un report fané. En 2015, en octobre 2015, Aniro Jagnat amène en la loi qui. Pour servir le drapeau Maurice, bien respecter telle dimension, telle hauteur, telle lancée, etc. Et là-dedans, si vous ne pas respectez ça, si vous servez un drapeau Maurice qui ne pas respecter sa bonne dimension-là, papa, il y a 100 000 roupies l'amende ou bien 2 ans prison. Alors, ça va être imbécile-là quand je te réalisais qu'un paquet de Zibounine viole la loi les 12 mois derniers. Parce que combien de gens ça qu'elle fait ce petit drapeau, vini, etc. Qui, la police pas le misérer pour poursuivre. C'est tellement ridicule. Alors là, je t'amène la loi. Ça, ça t'y amendement vendredi là. Ridicule. Dernier l'air. Avec le 12 mars à l'horizon. Alors, qu'est-ce qui se pour le 12 mars? Si des gens servent un petit drapeau qui pas respecter sa bonne dimension là, mais il n'y a pas un délit. Non, franchement. Capable, stupide. Capable. Incompétent de sa façon. Donc ça, ainsi la loi. Et deuxième la loi, qui est assez extraordinaire, une circulaire ce matin. Moi, mon gars, mon copie la loi là ce matin, une causée hier soir, et une circulaire ce matin, c'est Landlord and Tenant Amendment Bill. Alors, qui était cette histoire là? Comment je te connais depuis des années, peut causer qui. À partir de telle date, ben propriété à bâtiment pour louer ailleurs, pour gagner droit, augmente votre loyer l'année après l'année, pour mettre fin à un gel de ban loyer.
Donc, le propriétaire bâtiment fait attendre ça depuis des années. Bon, ben, naturellement, ben, le commerçant débat. Personne pas content qui se loyer augmenté, qui se frais augmenté. Alors, si par combien de fois une renvoie date, à partir de telle date, la loi de gel de ban loyer pour prendre fin, elle est là, ban loyer pour augmenter tant pour cent par an, lors d'une certaine période. Donc là, ça, le Landlord and Tenant Act, qui dit, après plusieurs renvois, finalement, plusieurs renvois, donc, ça, qui prend effet le 31 décembre 2017, là. Donc, à partir du 31 décembre 2017, ban propriétaire bâtiment, qui vous capable, commence, augmente, après, je sais pas combien renvoie, après, je sais pas combien l'année, qui vous commence, augmente le ban loyer. Alors, catastrophe, donc, ils mettent ça, l'eau, disons, vendredi. Un lot d'élections générales dans l'air, elle est claire. Alors, ils renvoient au lieu du 31 décembre 2017, un petit bout de la loi, qui n'est que remplace le 31 décembre 2017 par 31 décembre 2020. Bon, nous pas porte-parole propriétaire bâtiment, nous. Mais il est vraiment ridicule. Il y a une incompétence extraordinaire. Et ce n'est pas un gouvernement capable de dire comme ça. Il prend un engagement, il donne une date, il amende la loi. Tout ça. Alors là, en catastrophe, hier soir, ce matin, si y a qu'il la loi, alors supposez-nous pour voter ça vendredi. Supposez parlement pour voter ça vendredi avant en vacances. Donc, nous pas d'accord du tout avec ça. C'est pourquoi nous pas pour le parlement ni jeudi ni vendredi. Je manque du respect à sa élection partielle-là. Je peux faire exprès, dans le cas de la motion Taroula, je peux faire exprès mettre ça au moment que nous avons un meeting, nous meeting de fin de campagne, des révoltants. Donc, nous pas poil au Parlement jeudi et vendredi. Mais tu l'expliques bien, qui fait nous révolter, les dégoûtants. Mais c'est ça, gouvernement, là. Hein. C'est un gouvernement incompétent, mais incroyable, France. Bon, et il y a aussi hier, dans la Gazette, quand il y a une affaire qui est arrivée au milieu de la nuit, beaucoup, la plupart, la Gazette ratée, bon, pas connaît qui Mauricien pour gagner, qui les pourrait ici mettre, mais quand même, c'est qui est arrivé, le Higher Education Amendment Bill, là, hier. Mais il est vraiment choquant. Et la loi extrêmement importante, Higher Education Bill, Amendment Bill, qui nous discutait dans le Parlement hier, et VEDA, qui est le porte-parole du MMM. Steve Obigadou, président de la Commission de l'Éducation, malheureusement, il n'est pas au Parlement, mais il bien prend part dans toute la discussion, et VEDA, il fait un mari discours, une fois une baise. Parce qu'il vrai même dans ça la loi, là, c'est un pire qui dans le passé, pire qui l'époque Ramgoulam, l'époque Dita, c'est un mainmise ministériel. Veda une fois une baisse, y compris, jamais il y a une quelque chose. Une quelque chose qui le ministre capable, exempte n'importe quelle institution pas tombe sous la loi. Jamais il y a ça. Dita inabusé, comment il inabusé? Mais là, carrément, tu as dit qu'il donne le pouvoir au ministre d'exempte une institution. Il décide telle institution, pas tombe sous ça la loi là, il est exempt. Naturellement, Veda, il faut une bonne baisse là. Voilà. Un imbécile député du gouvernement, il répliquait, etc. Mais le pire là-dedans, c'est Aniru Jagnat, il n'est plus comprend rien, gaganet, mais arrogant. Manielin résimbé, manielin causé là. Voilà. Non, pas question. Faut nous une baisse qui nous pas faire proposition. Veda, tu proposais ça, mais ils ont retiré. Aniru Jagnat, avec son député, osé, hein, vient dire qu'il fout nous une baisse, voilà. Il ne veut pas une verre à soi, je viens amender. Je viens amender la loi. Je t'ai amendé hier soir. En catastrophe dernière, je t'ai amendé, je t'ai tiré ça dans la loi là. Désigne la loi fondamentale comme ça, nous t'y dire qui t'y mise un rush à la fin de l'année comme ça. Combien d'années nous peut venir? Tu besoin de prendre le temps de discuter bien. J'ai une rush, j'ai une gâte débat là. Alors, ça coup là, j'ai donne nous raison
Dernier lien, je devine, hier soir, dernier lien. Et tellement je pas, tellement je suis incompétent. L'état amendement de vini. Mais ben, dis-moi, pas, qu'est-ce que je suis à casa à soir? Never, 10h à soir. À la visée, parlement stand-by. Père dit, il y a un temps et demi. Madame Speaker, il y a une crise. Il y a une crise. À l'autre, ben, pas, faire je revini, il y a un temps et demi, attendre. Une incompétence, mais en même temps une arrogance, et un niveau de Jacques, là, tu pas si bien honté. Ce ton qu'il a adopté dans le Parlement, hier, passe pas de commenter, ça m'a dit, nous ne pas faire suggestion, hein, pour que finalement, je t'amende la loi là, exactement comme on. Mais malgré ça, nous pas d'accord, pas si bien reste à la loi là, comme ça, si bien take time. Vous êtes, moi, pourquoi, moi, demande ben, la presse, pas ben, intellectuelle, pas ben, jeune réalisé. Et la loi aussi fondamentale qui higher education, comme ça traite-li, rush-li, rush la loi là, après dernier l'air, Vincent, en l'aspect fondamental, mais à part ça l'aspect fondamental là. Et n'en pas que les autres l'aspect de ça là là là, qui n'est pas bon. Mais il est bien bien triste l'incompétence et l'irresponsabilité de ça. Donc je peux manquer d'irrespect à sa élection partielle là. Une élection partielle, c'est une élection partielle. Mais ou, une fixée élection, là, respectez le délai, respectez la fin de la campagne. Donc, je peux manquer du respect à la partielle, élection partielle, là, mais en même temps, je peux montrer toute votre incompétence et votre amateurisme. Quand nous guettons ce qui peut arriver, comme on peut dire, le National Flag Amendment, le. Landlord and tenant audit, et l'amendement à Higher Education Amendment Bill, nous tous autres l'amateurisme, nous tous, jusqu'à dernier lien, nous autres incompétence et nous autres l'amateurisme. Donc, nous voulons bien expliquer qui faire jeudi, vendredi, fin de campagne électorale, pour sa élection partielle-là, nous pas pour, dans le Parlement, et nous vraiment dégoûtés, nous vraiment révoltés. Je te vois en jout, hein, pour faire ban vœu, ban tralala, c'est une gâte mood de fin de session parlementaire complètement par zot irresponsabilité, zot amateurisme. Ok. Bien, merci. Tu parles de sa motion, hein, c'est-à-dire, vous comprenez la motion. Ganou, il ne faut pas connaître qui vous fait, moi. Ni là, ni pas là. Je posais le débat pour consigner. Perdre les temps, personne pas intéressé. Donc, dans le cas de motion Ganou, je posais le débat pour consigner. Moi, je ne peux pas connaître un corot. Qui s'est là pour intéresser à 6 dans le Parlement, c'est dit après-midi, François. Mais si Ganou, allez, mais pourquoi bien mettre qui confie la vie dans le Parlement en place. Quant à vendredi, ben nous pas là, donc la motion pas pour vous, et nous pouvons continuer à faire nos campagnes, nous continuer à garder pression parce qu'il supposait une élection, il supposait une enquête policière dans sa pièce là. Il y a une madame qui nous donne des positions, etc. Nous allons continuer à garder pression là. Mais là, pour qu'ils t'amènent, ils sont hein, pour qu'ils t'amènent ça, si l'amendement, le National Flag, amène une ville là, ça veut dire l'éclair pour avoir le Parlement après les 12 mars. Hein. D'après ce qui. Mais généralement, quand on va transporter le mandat, décembre, il y a après. Normalement, mais là, il est confirmé. Il est confirmé. Oui. Mais c'est que tu es prêt, mais tu savais qu'il n'y a pas de chance. Hein. Quoi? Qu'il a l'air avant d'indiquer, ça coule à tout. Lesquels là-bas? Alors, l'autre. Ah, l'autre, non, mais c'est un amateurisme. Nous, c'est vraiment un gouvernement d'amateur, de compétent, d'irresponsable. Même ça, ça fait un Betamax là. Qui dit trop, ça peut faire nous, internationalement, ben, investi. Après, donc, et là, pareil, donne-moi pour mon engagement. Mon père dit, nous pas là pour défendre mon propriétaire bâtiment, nous. Et foutu, comme ça. Franchement, alors là, quand on guette le 10 jours ou vendredi, moi je me dis, mais la gazette, pas même. Amendment, order paper, first reading, landlord and tenant amendment bill, first reading,
vendredi, après, second reading, third reading. Elle lit le mauvais signal complètement lié. Mais mon père est dit, ça va nous pas là pour défendre mon propriété à bâtiment. Nous, hein. Oui, toujours, bonne question. Ok, merci.